Salut tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième vlog sur notre chaîne. Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui, donc le 2 octobre, pour participer à la première coupe de la Gouëlle. Cette compétition va se dérouler à Dammartin-en-Gouëlle dans le 77 et elle se passera sur toute l'après-midi ainsi que sur la soirée, donc de 13h à 21h. J'ai prévu de rejoindre PA vers 13h30 à l'ouverture des portes pour pouvoir récupérer nos petits dossards et pouvoir nous préparer tranquillement. En attendant, je vais aller me maquiller et me coiffer et je vous dis à tout à l'heure. I will do you this bit. If you really love me, make an album by me, word up. Soon as I walk in, both start by talking. Right as that booty sway, slay. List up your people, Texas, Puerto Rico, my land to Mexico. ¿Dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Dónde está mi gente? I'm so sorry.
je l'admire, il a une très bonne dynamique là, sur le... Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Thank you.
Salut! Bon, c'est isolé pour pouvoir vous faire cette conclusion parce que, comme vous l'entendez peut-être, il y a encore la compétition qui continue et qui reprend. Vous allez voir les images juste après ça. C'était une journée formidable. C'était notre première vraie compétition, du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé? Aïe aïe aïe! Non, c'était très sympa. Ce qui était le plus intéressant, c'est surtout qu'on pensait danser seul dans notre catégorie. Ouais. Et au final, on s'y retrouve à danser avec quelqu'un. Donc, on a dit qu'on aurait gagné. Voilà, tout bénef, on a gagné une coupe. Gaïa. On est vraiment trop contents. Je vous mettrai une petite photo de nous avec la coupe juste après. On est très contents. Il n'y a pas de doux. Voilà. Mais c'est le LetNev, j'espère que ça a été filmé. Le moment où vraiment il nous appelle alors qu'on est deux. Ouais. On est venu en speed sur la piste, en mode. On s'y attendait vraiment pas. Mais c'était vraiment cool et j'espère que ça vous aura plu comme vlog. J'en referai d'autres de toute façon parce qu'il y a d'autres très jolies compétitions qui arrivent. Il y a la Saphir Cup. J'ai vraiment hâte de vous montrer. C'est la compétition qui m'a donné envie de faire de la compétition en fait. Donc j'ai très hâte que vous voyez ça. D'ailleurs, j'avais reçu une petite question sur Instagram pour toi, Péa. Oui, Danae. Ça fait très présentateur journal. Comment tu te prépares à une compétition? Alors, je me prépare un peu comme un mec danseur, donc je peux mettre beaucoup moins d'artifice que les nanas. J'ai pas de maquillage, j'ai pas de tan, etc. Mais je me fais au moins les cheveux, le fameux casque cheveux pour éviter que ça bouge de partout. C'est tout dur. Et je suis quelqu'un avec naturellement une barbe très volumineuse, donc en fait quand je me rase on voit toujours des traces un peu noires, donc je mets du fond de teint pour tamiser tout ça, pour qu'on voit pas trop de rougeur, qu'on voit pas trop suer et que ce soit bien aligné tout droit. D'accord, rien d'autre. Après il s'habille, il met son petit nœud papillon en standard et on est parti sur la piste de danse. Moi je vous donne rendez-vous sur YouTube pour la Saphir Cup, donc la compétition c'est les 13 et 14 novembre qui arrivent. Et entre temps, je vous donne rendez-vous sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer des questions si vous en avez. Quel petit blagueur. D'ici là, je vous fais des gros bisous, à bientôt. À bientôt.